Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti compte désormais 108 cas confirmés selon la dernière note du ministère de la Santé en date d'aujourd'hui. Un nouveau décès a aussi été enregistré. Le Premier ministre Joseph Jout déplore les traitements inhumains infligés à Patrick Benoît, âgé de 64 ans. Il presse le ministre de la Justice de diligenter une enquête sur ce dossier. Le trafic aérien reprendra sous peu en Haïti. Des travaux d'aménagement sont actuellement en cours à l'aéroport international Toussaint Louverture. Une équipe spéciale est chargée de mettre en place des procédures sanitaires pour la réouverture de l'aéroport. Haïti compte désormais 108 cas confirmés selon la dernière note du ministère de la Santé en date d'aujourd'hui. Un nouveau décès a aussi été enregistré. Le bilan s'établit ainsi. 12 décès et 10 personnes récupérées. Désormais, la contamination est majoritairement communautaire avec 53 cas sur les 108. 1037 tests ont été réalisés dans le pays depuis février. Pour l'instant, les communes les plus touchées sont Delma avec 21 cas, Pétionville 16, Port-au-Prince 14 et Tabar 9. Deux départements sont jusqu'à présent épargnés par le Covid-19. Il s'agit du Sud et de la Grand-Anse. D'un autre côté, le directeur du ministère de la Santé, Lauré Adrien, s'inscrit en faux contre les chiffres publiés par un média étranger faisant état de plus de 8000 cas confirmés et de 350 décès en Haïti. Le coronavirus a frappé de plein fouet les ouvriers haïtiens de la filière avicole américaine, une main-d'œuvre bon marché mais vitale pour une industrie devenue stratégique aux États-Unis où les autorités craignent une pénurie de viande. Ils ne faisaient pas de tests, ils prenaient seulement leur température, déclare Nadia Julien, infirmière haïtienne rescapée du Covid-19. Face au risque de pénurie et de perturbation des approvisionnements, Donald Trump a ordonné aux usines de transformation de viande et de volaille de continuer à travailler. La structure politique baptisée Secteur démocratique et populaire exige plus de transparence de la part du gouvernement dans la gestion de l'épidémie de Covid-19. À travers son porte-parole, elle encourage l'exécutif à aller beaucoup plus vers la population pour une meilleure compréhension de la maladie. Alors que cette plateforme politique s'est lancée dans un processus de sensibilisation sur le Covid-19 et distribue des masques notamment, Maître André Michel précise que cette démarche ne change rien dans sa position vis-à-vis de l'équipe en place. Le parti Réseau Bouclier National a remis ce mercredi un chèque d'environ 8,8 millions de gourdes à un représentant du ministère de la Santé. Ces fonds sont destinés à aider le ministère à être plus efficace dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, selon les membres de cette structure. C'est une initiative citoyenne, selon le président du parti, Profane Victor, et le vice-président Arios Jean-Charles. Le 17 janvier 2018, l'État haïtien les remet avec Parti Bouclier, yon chèque 8,771,315 gourdes. Chèque ça, nous devons mettre à Bouclier dans le cadre de renforcement du Parti politique Bouclier. L'argent ça, c'était l'argent taxe, peuple haïtien. Dans ce sens ça, l'État, nous estimons qu'il y a une difficulté économique, nous-mêmes au niveau bouclier, nous attendons pour nous remettre chaque ça à trésor public pour les comptes
du ministère de la Santé publique dans le cadre COVID-19. Ces contributions, pas nous-mêmes, nous voulons porter dans le cadre COVID-19 ça, à faire des dégâts à travers le monde et qui tentait de faire des dégâts tout sur nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, comme parti responsable, nous-mêmes, comme institution politique, n'avons pas décidé de supporter dans le cadre problèmes en désordre, nous retournons chaque fois à travers le trésor public pour déposer sous point le ministère de la Santé publique pour aider dans le cadre épidémique. Et nous avons un ministre qui n'a pas arrivé, chef là avec nous là, et nous avons avec le dirigeant bouclier et la presse qui là. Là, offrons des 3 minutes encore pour nous-mêmes nous remettre chaque salut dans la main. Les brutalités policières à l'encontre de M. Patrick Benoît sont unanimement condamnées. Le Premier ministre Joseph Jout déplore les traitements inhumains infligés à un homme de 64 ans. Il presse le ministre de la Justice de diligenter une enquête sur ce dossier. Les avocats de M. Benoît ont rapporté ce matin que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jacques Lafontan, a indiqué avoir pris des dispositions pour l'élargissement de M. Benoît. M. Benoît qui avait été admis à l'hôpital Bernard Meuse dans la soirée. Les avocats informent également que M. Benoît avait une côte cassée, un doigt cassé et l'arcade sourcilière déchirée. Il dénonce la complicité du juge titulaire du tribunal de paix de Delma qui a assisté aux sévices corporels infligés à M. Benoît. Ils soutiennent que M. Benoît a été tabassé pendant plus de 3 heures et maintenu en garde à vue en dépit de ses blessures. Les avocats ont fait valoir que l'exéquature viole une disposition de l'état d'urgence interdisant l'exécution de ces décisions de justice pendant la période de crise du coronavirus. De plus, ils font état de connivence entre le juge de paix et des avocats de la partie adverse. Des plaintes formelles seront déposées au parquet de Port-au-Prince pour association de malfaiteurs et tentative d'assassinat sur Patrick Benoît. L'annonce en a été faite par les avocats de la famille Benoît. Les défenseurs des héritiers Benoît qualifient de corruption l'implication d'un juge dans un dossier qui se déroule hors de sa juridiction. Les actes de violence dont sont victimes la famille Benoît ne resteront pas impunis, selon les avocats qui affirment que le procès-verbal relatif à la position du terrain situé au village des Palmes, section communale de Torcel, a été falsifié. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous avons une décision avant de voir que le tribunal de première instance de Port-au-Prince l'y fait sortir. L'y mande communication des pièces par les parties. Nous avons exécuté cette décision avant dire droit. Et ils ont même fait appel. Je vais vous faire voir leur acte d'appel. Donc nous sommes encore à la cour d'appel. Ok, je vais vous présenter leur acte d'appel. Voilà. Le 18 mars 2019, mes côtés, ils ont fait appel de la décision avant dire droit du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui mandait communication des pièces que l'a mandé depuis 19 novembre 2014. Maintenant, on va comprendre que soit revendiquer droit de propriété, ils ont jugé des référés, aussi full ta full patakadjou propriétaire. Maintenant, ils arrivent par des combines. Tant au niveau de la cour d'appel, et quand j'ai dit combine, je pèse mes mots et j'assume. Ils arrivent jusqu'en cassation encore par des combines, je pèse mes mots et j'endosse, je soutiens.
yo pour aller un arrêt qui ça arrêt à faire. L'arrêt ne fait que confirmer la décision du juge des référés suppression du pan de mur et en obstruer la barrière. Point barre. Et voilà, comme tout citoyen avisé, depuis la justice vient, on entend des juges de paix vient, il me toujours dit client yo, depuis juge de paix vient, vient faire exécution mandé référé. C'est un droit sacro-saint. Et puis en formulant sa demande, le juge de paix n'a eu d'autre réaction que de tabasser, maspiner, tenter d'assassiner Patrick Benoît. J'ai dit tenter d'assassiner pour première pour plusieurs raisons. Monsieur Vrigno Rico, le commissionné pour la juridiction de Delma, li tombé Pétionville. Ou a remarqué que les Laurenceaux te prend juge de paix de Pétionville pour le faire constat. Comment faire qu'on y a pour tal font soi-disant exécution, c'est Delma. Ça c'est deux. Pour qui ça y un juge des référés mandé, un citoyen mandé référé, le juge en réaction c'est ordonner tabasser. Piétiner, ouais, n'a pas vidéo sur tous les réseaux sociaux. Marel tant qu'on vient cabrit. OK, ainsi que les autres employés. PTGL, casser bras, casser pied, la perte casser tête li. Refus pour jouer l'assistance médicale pendant qu'il était en garde à vue. Refus pour aucun juge de paix faire constat en dans tribunal là. Donc, tout ça, yo, nous venons trouver là parce que nous avons des hommes qui bénéficient de l'appui de certains politiques, qui bénéficient de l'appui de certains juges de paix pourris, qui bénéficient de l'appui de certains éléments dans l'appareil judiciaire, qu'il s'agisse du tribunal de première instance, le parquet, la police et même jusqu'à la cour de cassation, sans négliger certains sénateurs dont Willow Joseph. Donc nous venons tomber dans une situation comme ça et que yo vle assassiner des propriétaires qui ont fait l'acquisition d'une propriété de plus de 125 ans et qui en ont joui paisiblement et que qu'on y a des individus besoin accaparer de yo, yo arrive voilà comment nous y est. La famille Laurenceau se dédouane de toute responsabilité dans ce qui est arrivé à Patrick Benoît. Les porte-parole de l'autre partie impliquée dans ce conflit terrien précisent que les Laurenceau s'en sont remis à la justice pour faire exécuter une décision de la Cour de cassation. Alix Janvier martèle que la famille Laurenceau est dans son droit et invite les Benoît à porter plainte s'ils estiment avoir été victimes de brutalité policière. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.